Bonjour, alors petite vidéo pour vous aider à faire la fiche 24 qui est dans le classeur de votre enfant pour le mardi 17 mars. Nous allons commencer par écrire le mot motte. Donc, qu'est-ce que j'entends au début du mot? C'est m, donc je place le monstre qui chante m dans le premier wagon avec les petites étiquettes qu'il y a dans le fichier de gommette. Ensuite, le O, correspond à Monsieur O. Puis le T, T, la toupie, deux fois. Et puis Madame E pour terminer. Et là, nous avons bien écrit le mot motte. Ensuite, nous allons poursuivre avec le mot nappe. Le N qui correspond au nez. Puis Monsieur A, nappe, p, p, le perroquet, deux fois. Et puis Madame E qui est déjà marquée sur le fichier. Et on aura écrit le mot nappe. Le nez qui correspond à la lettre N, Monsieur A qui correspond au A, le perroquet qui chante P, P, P avec la lettre P deux fois et Madame E qui chante E. Poursuivons avec le choc. Qui est-ce qui chante ch? C'est le chat. Oh, monsieur. K, k, le cornichon. Et on aura écrit le mot choc. Le chat qu'il va falloir écrire avec le C et le H. Monsieur O avec la lettre O. Le cornichon avec la lettre C. Tout ça écrit en minuscule script dans chaque petit wagon. Sous le mot. Poursuivons avec le mot vote. Qui est-ce que j'entends au début du mot? C'est le vent. Va, monsieur. T, t, la toupie. Et le E, madame E. Donc le vent qui correspond à la lettre V. Monsieur O qui correspond à la lettre O, la toupie qui correspond au T et le E, Madame E qui correspond à la lettre E. Et on aura écrit le mot vote. Dernier mot, chatte. Qu'est-ce que j'entends au début du mot chatte? Le chat. Puis Monsieur A, on aura écrit chat, la toupie, deux fois, qui chante t, 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 et Madame E, pour terminer. Et on aura écrit le mot chatte, le chat, qu'on va écrire avec la lettre C et le H, Monsieur A avec la lettre A, la toupie, qui correspond à la lettre T, et Madame E qui correspond à la lettre E. Voilà pour cet exercice. N'oubliez pas de bien colorier les dessins et de bien écrire les lettres script en dessous, sous chaque wagon ou dans chaque petit espace dans le wagon. Voilà, bon travail!